Je serai bref, Fisher. Il nous faut des preuves que Ferong représente une faction dissidente opposée au gouvernement chinois. Je suis toujours en laisse dans l'ambassade? Pas du tout. Vous avez l'autorisation de tuer. Cinquième liberté avec tout le monde, sauf Ferong. On ne peut pas risquer de le tuer avant d'avoir des preuves. Fini la politique. C'est la guerre. On ne peut pas s'approcher plus. Lambert a peur de faire fuir Ferong. Ça va marcher. Pas d'erreur, Fisher. J'ai pas envie d'une guerre. Si elle explose en vous... Qui a fait ça? Fisher, vous allez devoir ouvrir un sacré paquet de portes protégées par des codes pour vous déplacer. Et on n'a trouvé aucun moyen de les obtenir. Il va falloir improviser. Une idée pour les portes verrouillées par un code. Allez-y, Grim. Il fait peut-être assez frais dans l'ambassade pour que tu sentes une différence de température sur les claviers. Ça vaut la peine d'essayer. Vous devez franchir ces portes. Colonel, on a nettoyé les dernières cartes mémoire. On passe maintenant au disque dur. Ils peuvent récupérer des infos dans les débris. Les disques doivent être effacés et détruits. À vos ordres. Ça se présente? Ça va pas nous servir à grand chose. Ils ont nettoyé la plupart des... Lambert, regardez ça. Oh bon sang. On vient de trouver l'américium 239 qui manquait. On vous recontacte, Fisher. Nouvel objectif, Fisher. Il y a un convoi de camions dans un entrepôt dans l'enceinte de l'ambassade. Ils ne doivent pas en sortir. Je sais que vous n'avez pas assez d'explosifs sur vous, mais... Mais un réservoir d'essence est une bombe qui attend un détonateur. Je dois me méfier des radiations. Les composants ne sont pas assemblés. Vous ne déclencherez pas de réaction nucléaire. Ah.
Ici Kong Perong. Situation rouge à toutes les troupes. Je répète, situation rouge. Nicolas Zé nous a laissé tomber. Alerte maximale. Je veux que le convoi soit prêt à partir. Chen, Yang, on part bientôt. Transférez votre patrouille dans le couloir principal. À vos ordres. Sers-toi de tes lunettes thermiques, Fisher. Elles devraient te permettre de voir la chaleur des empreintes.
devriez avoir un ordre officiel pour ça. Pas le temps. Je dois voir le convoi avant qu'il parte. Je comprends. Mais c'est la dernière fois. Bonjour. Merci. Et à bas de quoi?
Qui est là? On a largement assez de carburant et il faut qu'on se mette en route. N'iront plus nulle part. Autour du général. Exact. D'après nous, Ferong est dans le bureau de l'ambassadeur. Gardez-le en vie. Grimms de Tyr pense que son ordinateur est verrouillé par un scanner rétinien.
froid. Viens m'aider. Le général essaye de se suicider. Où es-tu? Dans ton bureau. Vite. Dans la tête. Évitez le visage. Vous êtes américain. Vous êtes la cause de tous mes ennuis. Alors, rendez-moi service et tuez-moi. De votre ordinateur et vous allez m'aider. Laissez-moi! Vous ne pouvez rien faire si je suis mort! Vous n'êtes pas encore mort. Le reste de votre vie peut être fait de souffrance ou non. Ça dépend de votre coopération. Ma vie n'a été que souffrance. Vous ne réussirez pas à me faire parler. J'y arriverai. Excellent travail, Fisher. J'envoie des suicides dans ce boulot. Grimm, les données valent le coup? C'est du solide. Ça isole complètement Ferong du gouvernement chinois. Fantastique. Transmettez les infos utiles au chef d'état-major. La CIA les enverra à la Chine. Fisher, la mission au Myanmar est terminée. Rejoignez Cohen et fichez le campagne.